Salut les amis, on se retrouve pour un petit odyssée, bien pour la fin de ce petit odyssée, donc excuse-moi King Kong, parce que j'avais trop envie d'avoir la nouvelle mise à jour, donc et puis en plus on aura du soin hier pour finir, et puis t'es pas venu, donc je le fais tout seul, comme ça je m'emmerde pas, et on verra pour la prochaine plus tard, hein, donc voilà, on va finir ça, peu importe le temps que ça durera, je m'en fous. Donc on va finir ça aujourd'hui, on va arriver à Calais, voir si on a gagné des pépés. Je pense pas trop parce que quand même on a quand même 10%. Ben on va peut-être en gagner un peu parce que quand même on a quand même 93 000. Donc voilà. Donc une chose aussi qu'il ne faut pas faire en conduisant, c'est boire du café. Mais moi je le fais. Mais vous ne faites surtout pas ça chez vous. Mais bon là je conduis pas encore. Allez hop c'est parti. Donc c'est la fin. Il me semblait qu'il nous restait 500 km hein, donc ça devrait aller relativement vite. Donc voilà, on va essayer de faire pour que ça aille le plus vite possible et puis finir un peu dans les temps on va dire. Donc voilà. Et excusez-moi encore même si ça fait déjà un petit moment parce que la vidéo apparaîtra dans un dans un petit bout de temps d'avoir fait la petite pause on va dire de deux petites semaines, mais moi ça me semblait utile pour pouvoir reprendre un peu de vitalité, un peu de puis aussi parce que voilà j'avais des gens autour de moi qui avaient besoin de moi, donc c'était pas pour travailler on va dire, mais c'est pour rendre service, un peu comme ça. Donc voilà, j'avais des gens qui avaient besoin de moi autour de moi et dans ma famille, quoi, on va dire. Et donc je suis allé les voir pour les aider. Après, il n'y a pas grand chose de plus, donc j'espère que ça vous déplaît pas. Que j'ai. Voilà, c'est pour ça, je comprends mieux. Que je finisse tout seul. Parce que c'est vrai que pour moi c'est un peu long, j'ai vraiment envie d'avoir cette nouvelle mise à jour. Parce que d'après ce que j'ai vu, il y a pas mal de nouveautés, on va dire. Donc voilà, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Et puis donc voilà, faut que j'attende de finir cette vidéo et après je mettrai la nouvelle mise à jour. Et la semaine prochaine, si la map que je pense faire marche sur la mise à jour, bien sûr, parce que si elle marche pas, je l'ai dans le cul. Mais si elle marche sur la nouvelle mise à jour, je vous ferai d'autres vidéos la semaine prochaine sur une nouvelle map que j'ai déjà un peu conduit dessus, je vous le dis clairement. Par contre, j'ai conduit que en gros, j'ai pas cheaté cette partie et ça me fait vachement plaisir de ne pas la cheater parce que en gros, c'est une partie assez bizarre quand même, mais que j'ai pas envie de cheater en fait. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc c'est une partie que j'ai pas du tout envie de cheater parce que pour moi ça me semble normal de voilà. Donc voilà pour cette fin d'Odyssée. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voudriez voir plus tard, si vous en voudriez une autre. Pas tout de suite parce que ça va pas le faire, mais plus tard, on verra. Et après, si on a vraiment un bon PC et tout, parce que voilà, comme vous voyez, moi je tourne en 5 images secondes, peut-être plus, hein, ça, en 5, voilà, je sais pas trop, mais on va dire que mon PC ne tourne pas très vite sur un truc, même s'il faudrait que je baisse les aspects graphiques, mais le truc c'est qu'il commence un peu à se faire vieux. Et ETS2 continue à évoluer, donc ce qui fait que c'est un peu ce qui joue aussi. Donc on va essayer au moins de finir cette mission. Il nous reste à peu près 400 km. Bon, on va essayer d'en faire un maximum. J'ai à peu près 50 minutes maximum, mais le truc c'est que je voudrais pas quand même faire 50 minutes, donc que ça aille assez vite. J'ai pas envie d'enlever le limitateur parce que c'est un peu dangereux.
on va dire. Surtout quand on n'a pas un bon PC, parce que le temps de réaction est vachement limité. Donc voilà. Après, je peux le faire, enlever le limitateur, mais bon, il y a moins d'intérêt, je trouve, et il y a moins de réalisme. Donc, on va pas enlever le limitateur, on va le laisser, et on va finir cette mission vite fait, bien fait. Comme ça, tout le monde sera content. Bon, y compris, et même moi le premier d'ailleurs, Mannheim. On est en Allemagne là, on est à la frontière allemande. Donc voilà. Je sais pas trop pour l'instant, c'est vrai que j'ai vraiment envie de finir là cette partie. Mais bon, on va dire que ça peut être assez long de faire 400 km quand on a un PC pourri. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît, toute la facecam et tout. Parce que franchement, je me donne à fond. Je fais ce que j'ai envie de faire pour l'instant, en tout cas. Après, c'est vrai que les jeux, si vous me conseillez un bon jeu, je le ferai. Un bon jeu, pas un jeu merdique. Même si c'est un jeu rétro qui n'est pas forcément très bon, mais qui a de l'histoire, on va dire. Un peu comme Mario Bros, des trucs comme ça. Ou Mario Kart sur DS. Ou je sais pas trop quoi, parce que je crois que c'est sur DS, il me semble que c'est le premier Mario Kart, hein, il me semble. Si je ne me trompe pas, celui qu'il y a eu sur DS One, c'est le premier. Il me semble, hein, je vais pas vous dire de conneries, mais j'en suis sûr à 40-50%, enfin peut-être 60 on va dire, entre 40 et 60% que c'était sur. DS1 qui a eu le premier Mario Kart. Ouais, Mario Kart. J'en suis pas sûr, donc confirme-moi ça dans les commentaires. Mais j'en suis pas sûr du tout. Et c'est vrai que c'est. Moi je trouve que c'est l'un des meilleurs trucs. Pourquoi j'entends rien? Ça marche, hein. Ah ouais, j'ai dû me brancher sur le mauvais truc. C'est pour ça. Bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À me dire, voilà, si vous voudriez en voir un autre. Vraiment ça vous plaît ou pas, si vous voudriez voir une suite, si, voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas de suite, mais un nouveau partant peut-être de la France, on verra ce qu'on fera, ce que je ferai, ça dépend, mais il y a de grandes chances que ce soit plus on fera et pas je ferai, voilà. Donc c'est vrai que on verra bien ce qui se passera dans le futur, mais pour l'instant je ne dis rien sur ce qui va se passer parce que je n'en sais rien. Voilà, on va continuer le farming avec quelques vidéos tests. On va vraiment faire pas mal de trucs. Parce que là, j'ai trouvé. Non, vous l'avez déjà vu. Donc, parce qu'il y a un jeu que j'ai vachement apprécié. Je vous ai pas encore publié la vidéo à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est Cabalaz Pro Hunt. Non. Big Hunt, Big Hunter Pro Hunt, voilà, c'est ça. C'est un jeu qui a 2 ans, 2-3 ans, et qui, pour moi, est un jeu très très bien. Aussi bien que The Hunter, sauf que The Hunter, le truc, bah lui aussi il est payant, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de contenu plus payant en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contenu payant externe. Mais si je veux dire, c'est pas comme un free to play où tu payes tout. Voilà. Donc, ah non, c'est ça.
c'est pas la même chose. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. En gros, c'est un free to play. Non, c'est pas un free to play. Ce jeu, c'est vraiment très bien. C'est un très bon jeu. Qui est très très bien. Franchement, c'est. Moi j'aime bien les petites cinématiques et tout. Ça fait un peu. En gros, on va dire que ça fait un peu les experts en même temps. C'est vraiment un jeu qui me plaît vachement. Et puis ce petit effet à la Call of Duty aussi, du fait de se concentrer pour pouvoir tirer et tout, je trouve ça très sympathique. Très très sympathique. Donc voilà. On va aller en direction de Liège. Liège, comme ça. Je sais pas trop. Donc voilà, j'espère franchement que cette odyssée vous aura plu. C'est la fin, je suis tout seul. Ça me dérange un peu même moi-même, mais bon, j'ai vachement envie de finir cette odyssée vite fait, on va dire, même si c'est pas tant le cas, et de pouvoir continuer et passer à autre chose. Oups là. On va boire en conduisant, je vous le dis. C'est pas très bon. Surtout avec une tasse de café à la main. Ça peut être dangereux. Un dodane et. Ploup ! Vous êtes dans le cap. Bon, on va dire que vous avez une bonne odeur au moins. Mais bon, c'est pas le but. Donc je vais laisser quand même le deuxième GPS, même si ça sert à rien, pour me tenir la distance qui reste. Parce que là, il me reste 395 km à parcourir. J'espère pouvoir arriver. Déjà, on a fait presque 100 km en 10 minutes. Ça devrait être faisable en 50 minutes. Non, même pas 40. Ouais, 45 minutes. Qui dit mieux? Non, mais voilà, après, c'est vrai qu'avec un bon PC, ça, on le fait en 20 minutes, quoi. Un bon PC et un bon volant, ça, on y fait en 20 minutes. Mais bon, j'ai ni l'un ni l'autre, alors bon. Après, bon, on verra plus tard. Voilà, j'espère vraiment pouvoir améliorer, faire de meilleures vidéos, procurer un bon gameplay, même si j'y arrive. Hein, parce que quand même, j'arrive à vous procurer un gameplay convenable. Pas au top du top, mais bon, on va dire que j'ai pas vraiment les moyens de procurer du top du top. Donc, c'est pour ça que. Je vous procure ce que je peux vous procurer, voilà. Donc c'est tout bon. On va essayer de faire un truc plus ou moins propre, avec une fin qui devrait bien se terminer, à peu près. Même si on a un camion déglingué à 20%, parce que voilà, on va finir cette mission et j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. Et que toutes les autres vidéos plairont aussi. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu con pour tout le monde, mais là c'est vrai que bon, si vous en voudriez d'autres, des odyssées, n'hésitez pas à me le dire. Après peut-être qu'on le refera sur la 1.18 ou la 1.17, je sais pas. Bon, là on va. Ah, on passe du Luxembourg à la France. On retourne en France, les gars. Je crois. Je crois qu'on retourne en France. Attends, c'est une virgule. Ah non, on va au Luxembourg et après on repart en France. Ouais, ça devrait être faisable. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on va avoir, même si, bon, je le sais, je le saurai quand je vous publierai la vidéo, si j'ai gagné de l'argent, mais n'hésitez pas, ouais c'est ça, on est rentré au Luxembourg, on n'est pas sorti, n'hésitez pas à me dire, parce que si vous pensez qu'on va gagner de l'argent ou pas sur cette mission, si oui, ben voilà, dites oui, vous dites ouais, tu vas peut-être gagner de l'argent et tout. Ça ferait plaisir à tout le monde, même si bon, le fait, excusez-moi pour le bruit, c'est une machine à laver, c'est un lave-vaisselle qui a fait le bruit parce qu'il a fini de tourner.
Donc voilà, j'espère franchement que cette partie vous plaît, que tout ce qui... Parce que franchement, j'adore faire des vidéos sur truc, même si mon ordi tourne pas bien, même si... voilà, j'ai pas un ordi qui pète... merde, je vais pas tourner. Voilà. Ça servira à rien parce que je dois retourner de l'autre côté. Enfin, je dois pas sortir de l'autre côté aussi. Donc voilà, même si j'ai pas un ordi qui est vraiment très performant, je trouve qu'il a déjà le minimum pour pouvoir faire des vidéos de qualité sur truc d'une qualité assez conséquente. Parce que là, quand même, je tourne en 720p. Bon, c'est pas la meilleure qualité qui existe sur YouTube. Je sais que la meilleure, c'est la 1080p qui est juste en dessous. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que je... Quand je vois certaines personnes qui tournent en 480p, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le minimum sur YouTube, c'est le 720p. À part pour certaines choses, des clips vidéo, des trucs comme ça, ils peuvent se permettre de tourner en 144p, des trucs comme ça, ou des musiques sans, sans vidéo, on va dire. Juste avec une image, on peut tourner en 144p, avoir une jolie, tout bien comme il faut, et comme ça, moi, tout le monde est content. Parce qu'en gros, par exemple, ceux qui ont une petite ADSL et tout, tout pourri, peuvent aussi bien regarder la vidéo que ceux qui ont une grosse fibre bien chitée et tout. Parce que franchement, moi je vous dis clairement, maintenant j'ai la fibre. J'ai la fibre, je suis content. Bon, maintenant on va en Belgique. Voilà, j'ai la fibre, je suis content. Mais je trouve quand même que la fibre est assez bridée. Voilà. En gros, on parle beaucoup de fibres en fait à la télé. On dit voilà fibre 200 mégas et tout. Et quand je fais mes tests, j'ai à peine 10 mégas. J'arrive des fois à 20 mégas, ça arrive en download. Et en date, j'arrive à du combien? Et en date, j'arrive à du 5. Je sais pas ce qu'ils appellent 200 mégas, mais je pense que je les ai pas. J'ai même pas un dixième de 200 mégas. Même pas un dixième. Alors, si, je pense que si, je les ai les un dixième. Mais à peine, hein. J'ai à peine les un dixième, ça dépend des jours. Et je sais pas comment ça se calcule, leurs 200 mégas là, si ça se calcule c'est les deux réunis ou si c'est qu'un seul, je sais pas trop, mais tout ce que je sais c'est que j'arrive à peine à un dixième quoi. J'arrive difficilement à un dixième des 200 mégas qui nous disent à la pub quoi, parce que j'arrive à peine à 20 mégas. Je pense que c'est 20 mégas, je suis pas sûr, je sais pas comment on calcule ça, mais si c'est 20 mégas de download ou 20 mégas du taf. Ben, qu'il faudrait 200 mégas, mais je pense que c'est plutôt en download. Et j'ai que dalle. Je dis franchement, je trouve que c'est quand même vachement mieux. Je peux pas me plaindre, c'est vachement mieux que la DSL. En download, on va dire que c'est à peu près mieux, hein. Un tout petit peu mieux. Hein. Je passe de 5 mégas. 10, 15, voire 20 grand maximum de temps en temps. Si la télé n'est pas allumée, parce que ça joue un peu. Là, j'en fais beaucoup des fois. Après, je passe à. En update, je passe de 1 à 2 à 5. Donc, la fibre a un peu de mal à passer pour moi, même si je trouve que c'est vachement mieux. Je vois vachement la différence quand je mets mes vidéos en ligne, quand je veux télécharger un film, machin et tout. Ou quand je veux faire un truc bien de. Ou télécharger un mode sur Truck ou sur Farming. Je vois vachement la différence. Et puis de mon lieu de tournage, je peux aussi télécharger des modes, ou des maps, ou des trucs, des skins, tout ce que je veux télécharger pour Truck ou même des jeux. Sur Steam, bien sûr. Des mises à jour et tout. Je peux le faire. Alors qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Déjà, dans le lieu où je tourne actuellement, je n'avais pas du tout de Wi-Fi. Ou
ça dépend d'où je me situe dans la chambre, dans ma pièce. C'est aussi ma chambre, actuellement. Hein. Et donc, je en gros, il fallait que je sois sur mon lit, au bout de mon lit, pour avoir un soupçon de Wi-Fi et donc un soupçon de connexion. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi, j'avais que dalle. Et bon, après, je me plains pas trop, j'avais plus ou moins. Bien, moi, je la paye pas en tout cas, la Wi-Fi. Je m'en sers, vraiment, je la paye pas. Donc, faut pas trop que je me plaigne. Mais moi, c'est vrai que par rapport à ce qu'on dit à la télé, à ce que. Par rapport à ce qu'on a en vrai, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de publicité mensongère. Je sais pas, par exemple, si ce qu'ils disent pour le free, c'est vrai. Quand on dit 1 giga de débit, 1 gigabit de débit par seconde, tu fais « what the fuck ?» En gros, tu pourrais télécharger un film, à peu près, un bon film quand même. 1 giga, c'est un bon film. Pas trop en HD, mais genre d'une bonne qualité. On ne met pas une seconde. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas. Mais le truc, c'est que je sais pas, après peut-être qu'on est bridé pour l'instant et que après, ben, ça va partir tout seul. J'en sais rien. Mais quand on voit que je suis même pas à... En fait, je vois pas que ce soit nous, hein, mais ben, que ce soit mon ordinateur qui bride et tout. Mais plutôt SFR, parce que je suis toujours sur SFR. Mais cette fois-ci, on est en fibre. C'est SFR qui est bridé. Après, c'est peut-être vrai hein, ce que je dis, c'est peut-être toujours pareil. Parce que déjà avant, on était sous numéricable, et là, on est toujours sous numéricable, mais avec SFR. Donc, si est-ce que c'est numéricable qui bride toujours SFR. Et je pense que ça doit être ça, parce que je vois pas d'autres explications pourquoi on aurait une connexion si pourrie, alors qu'elle pourrait être vachement meilleure. Quand on nous dit on a la fibre, machin, on nous fait des pubs. Jusqu'à 200 mégas et tout, et à la fin on se retrouve avec un truc qui fait à peine 100 mégas, à peine 10 mégas, excuse-moi. Donc voilà, il est en train de. Voilà. Moi je vais pas dire que je vais pas me plaindre, mais franchement je vois pas. Après, est-ce qu'il y a des gens, dites-moi hein, dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi la fibre de chez ce que tu n'importe qui hein, avec une connexion aussi pourrie que par rapport à ce qu'on devrait avoir hein, plutôt je veux dire parce que c'est pas pourri franchement elle est très bien mais pas à la hauteur de mes espérances c'est un truc un peu dommage mais bon on va dire que c'est pas ça reste correct mais c'est vrai que je préférerais avoir mieux mais bon faut pas non plus trop se plaindre voilà. Faut pas trop se plaindre et puis on va arriver à la fin de notre tour. 14h. Ah non, 5h. Est-ce qu'on va jusqu'au bout quoi? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Non, on devrait pouvoir aller jusqu'au bout. On devrait pouvoir arriver à Calais, techniquement. Sans faire dodo. Donc je sais pas. On verra bien si vraiment on verra. Normalement je devrais pouvoir arriver à Calais sans avoir de soucis et juste en étant normal quoi. Comme je suis là sans m'arrêter donc on verra bien j'espère juste que franchement ça vous fait plaisir parce que moi franchement j'y prends un grand plaisir à conduire. J'essaye de bien conduire, bon c'est pas le top parce que je fais pas non plus super attention. J'essaye de respecter un minimum le code de la route. Ça change un peu. Voilà. Bon, c'est vrai que je ne respecte pas tout le temps quand je suis en ville. Souvent, avec le camion, je ne respecte pas. Mais, bon, là, on est sur l'autoroute, on respecte parce qu'on n'a pas le droit de passer au-dessus de 80. 80 ? Pourquoi on doit être à 80 ? C'est quoi ce bordel ? Tant pis, là, on est en excès de vitesse, mais bon. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 80 là. Non, c'est 90 ici. Ah, mais c'est peut-être pour les voitures, pas pour les poids lourds.
j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas avoir encore un souci de batterie. Ça me ferait un peu chier quand même. Donc on va se déporter parce qu'il y aura une sortie et je crois qu'il faut que je sorte. Donc on tente, allez. On va tenter d'aller jusqu'à Calais sans faire de pause. J'espère que ça va tenir. Normalement, ça devrait tenir. Ça devrait, je dis bien. Ça devrait tenir et on devrait pouvoir s'en sortir très bien. Donc voilà. J'espère franchement que ça vous plaît. Je sais qu'il faut répéter les trucs, mais si ça vous plaît pas, n'hésitez pas même à mettre un pouce rouge si ça vous plaît pas, ou à me dire pourquoi ça vous plaît pas, à préciser, parce que c'est vrai qu'après je peux m'améliorer, faire des trucs un peu mieux et de meilleure qualité. Si vous pouvez m'aider à m'améliorer, n'hésitez franchement pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si voilà, si vous pouvez m'aider à m'améliorer, à faire des meilleures vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Après, je sais qu'il y a pas mal de petits lacs, peut-être avec le fond vert. Non, parce qu'en fait, c'est pas un vrai fond vert, c'est juste une couverture qui est verte. Voilà, je vous le dis clairement, c'est une couverture, il n'y a rien de plus stupide que ça. J'essaye de faire avec ce que j'ai parce que je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je fais avec ce que j'ai. Et franchement, j'aimerais bien essayer de faire autre chose que des vidéos de gaming, on va dire. Là, j'y vois rien. J'espère que je vais pas me niquer quelque part. Non. Je suis carrément dans l'herbe. Donc, j'ai envie qu'on puisse faire des choses, à dire ensemble. Ben, participer à des choses ensemble, tous ensemble, parce que c'est vrai que j'ai vachement envie de faire des trucs, je sais pas comment dire, vous avez pas, je sais pas comment vous expliquer ça, des, je sais pas comment vous le dire, des, je sais rien, pas comment vous le dire du tout, participer à qu'on fasse, je sais pas, des multi sur, sur certains jeux, sur Truck par exemple, ou sur machin. Après, je le ferai peut-être avec King Kong plus tard quand il aura son nouveau PC. Ça tournera peut-être bien, on verra. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'a pas son PC et sur le PC qu'il a actuellement, il ne peut pas faire tourner Euro Truck du tout. Enfin, il le fait tourner très mal et en très mauvaise qualité. Donc voilà. Et donc j'espère qu'on pourra tourner, on pourra faire un multi ensemble sur ETS2 plus tard. Donc voilà. Moi franchement, là c'est vrai que ça me parle plutôt bien, je suis plutôt pas mal là. On est presque à 200 km. On va pouvoir, je pense, finir. Hein. Cela finir. Donc voilà, ça fait quand même une demi-heure déjà, ou presque. J'espère quand même que... Voilà, je le répète, si vous avez quelque chose qui pourrait m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou je sais pas, comme vous voulez, ou me laissez un petit message sur ma page YouTube, sur ma chaîne plutôt, parce que page ça va pas trop, mais chaîne YouTube ça marche mieux. Donc voilà, après franchement je vous dis clairement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce si ça vous a plu, mais je préfère un petit commentaire quand même. Ah, c'est dégueulasse, c'est tout froid. Même si, en fait, le truc, c'est que le café, je l'aime pas froid, mais je l'aime pas bouillant. Et je l'aime pas chaud, mais je l'aime entre le bouillant et le froid, en fait, à la tiède, quoi. Un peu plus... Voilà, j'aime pas que ça me brûle les lèvres, mais j'aime bien que... Je suis un peu dur sur les bords, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Je suis un peu con sur le café parce que c'est comme ça. Bon, après, on va pas s'embêter. On va aller jusqu'au bout. Ah merde. De toute façon, c'est pas grave, c'est là qu'il y a. Lille Reims.
Ça tombe bien. C'est le bleu. Je crois qu'on va pas tarder à retourner en France là. Donc voilà, on est à 30 minutes. Là. 30 minutes, voilà. C'est bien. C'est très bien. On a 200 km. On va se les faire en 50 minutes. C'est vrai que ça me fait un peu chier parce qu'il va falloir faire un temps de montage de très très long. En gros, ça va me mettre quasiment une demi-journée, mais même plus, pour monter ma vidéo. Donc ça me ferait un peu chier, mais bon. On va pas trop s'embêter avec ça. Enfin, j'espère juste pouvoir être tranquille quand même, finir à bien et vite. Donc voilà. Hop, 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 hop. On va pas trop freiner non plus. Là, le truc, c'est que j'y vois rien. Non. Ah, mais j'avais pas enlevé les feux de route en plus. Donc, on va essayer au moins de garder une bonne allure. Très sympathique, très convivial et tout. Donc, voilà. Après, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez de Euro Truck. Par exemple, la nouvelle mise à jour, parce que moi, j'y ai pas encore joué. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vraiment elle est bien ou pas. D'ailleurs, j'ai vu quelques améliorations qu'ils ont fait sur la 1.18. Elle me paraît plutôt cool quand même. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi j'y ai pas encore joué pour l'instant la 1.18. Ça ne serait tardé. Une fois que j'ai fini ça, je vais mettre la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure de Cabalaz. Et après, je mets en même temps à jour mon Euro Truck. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content, moi aussi. Et c'est très très cool. Donc voilà. Après, n'hésitez pas aussi peut-être à, je sais pas trop encore. J'ai pas encore trop d'idées pour mon hebdo du routier. La fin de l'Odyssée. On va essayer d'innover un peu, de faire des nouveaux trucs. D'ailleurs, des prochains épisodes, si la map tourne bien, la nouvelle map que je vais vous présenter, on va faire une série de plus ou moins petites vidéos entre 10 et 20 minutes, 30 minutes maximum, parce que là, pour compenser un peu les 30 minutes qu'il y a eu sur celle-là, les 30-40 minutes, comme vous voyez, là il y a 32 minutes, c'est vrai que ça fait un petit peu long quand on y pense, mais après... Ça passe. Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est dehors. Parce que la fenêtre est fermée, mais bon, il n'y a pas forcément une super isolation phonique. Donc voilà. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, moi. Après, je ne sais pas si vous, ça vous dérangera. Je ne sais même pas si vous l'entendrez, mais normalement, vous devriez peut-être l'entendre un peu. La police et tout. Les pompiers, les routes. Et encore, les voitures, vous ne devriez pas les entendre. Mais surtout les sirènes et tout ça, vous entendriez peut-être un petit peu. Mais bon, on va pas parler de ça, ça n'a aucun rapport, c'est pas très intéressant. Donc voilà, après, moi franchement, je vous dis clairement, ce jeu, pour moi, est l'un des meilleurs. Euro Truck, bah c'est le... Bah non, c'est vrai que, il y a, pour l'instant, mon jeu préféré, bon, j'y joue beaucoup, mais pas avec vous, en fait, j'ai fait deux parties, une partie avec vous, et une partie tout seul, une partie solo, c'est Car Mechanic Simulator 2015, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux du moment. Certes, parce que c'est aussi ma branche, on va dire, c'est quelque chose qui me parle plus que Euro Truck, parce que c'est mon métier, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle plus, alors que Car Mechanic, bon, c'est... Euro Truck, c'est quelque chose qui me parle aussi, mais parce que King Kong Simulator d'ailleurs, lui il jouait déjà à Extreme Trucker, à Euro Truck 1, et il m'a donné l'envie d'essayer d'y jouer, et puis j'avais trouvé ça assez sympathique. Mais voilà, en gros, j'ai pas abordé le jeu plus que ça, on va dire, à l'époque. C'est un jeu qui m'avait bien plu quand même déjà à l'époque, mais qui, je crois qu'on arrive, on réarrive en France, parce qu'on était déjà arrivé vers Strasbourg, et là on revient en France, il me semble. Donc voilà,
Donc voilà, c'est vrai que les jeux de camion à la base c'était pas mon truc, c'est un peu plus mon truc au jour d'aujourd'hui. On va dire que moi j'étais plus branché, voilà, je suis vraiment bien branché voiture à 90-100%. Donc voilà, après moi. Salut les amis, excusez-moi pour cette petite coupure, il y a eu le téléphone qui sonnait, j'ai fallu que j'aille raccrocher au nez, je sais pas trop quoi. Donc voilà. Donc on va continuer et finir cette mission. Donc voilà, normalement c'est. Je sais pas si. Non, c'est autorisé, je crois. Les feux de route, si on n'a pas d'éclairage, on peut les mettre sur l'autoroute. Hein. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît. Parce que moi, franchement, j'y prends un petit monstre. Donc voilà, c'est vrai que ça revient à zéro, ça m'énerve un peu. Après, il me reste plus que 2 barres. Donc j'espère pouvoir avoir assez de batterie, assez de tout, parce que là, ça commence à me faire chier un peu. Ça me fait chier la vie. Là, par contre, on a 90. On a le droit à 90, c'est pas mal. C'est pas mal. On a le droit quand même d'avoir une certaine liberté d'aller à fond les bananes. Donc voilà. Donc excusez-moi encore pour cette coupure, ça m'énerve un peu, mais bon, voilà, j'aurais qu'une pas répondre. Et puis, mais bon, on va dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tombent très mal, souvent dans mes vidéos, en tout cas, c'est ce qui se passe. Il y a souvent des emmerdes, donc on commence à être fatigué. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu con, quoi, d'être fatigué, juste quand on arrive. Donc là, il nous reste combien de temps? On a encore 2h16. On va tomber de sommeil avant d'arriver, mais bon, on va finir quand même comme ça. Il nous reste plus que 130 km à faire. Donc, j'espère franchement que ça vous a plu. Cette odyssée, franchement, je vous le répète. Mais pour moi, c'est une chose qui m'a toujours plu de faire des odyssées. Non. Non, au début, avant de commencer mon premier odyssée, ça m'avait pas plu, mais le fait de me mettre en facecam m'avait beaucoup plu. En fait, c'est de le faire en facecam parce que je le ferais pas en facecam, ça me plairait beaucoup moins, je pense. Le fait, en fait, en gros, c'est pour moi, l'Odyssée est le moment d'une résurrection, on va dire, d'une évolution. C'est pas une résurrection, c'est une évolution que j'ai eue parce qu'en gros, j'ai évolué à ce moment-là. J'ai évolué, je suis passé d'une étape à l'autre. En gros, je suis passé même de rien à rien, mais parce qu'en gros, j'ai pas fait grand-chose. Au début, je filmais avec mon téléphone, c'est une chose, mais l'image était dégueulasse. Comme vous avez pu le voir sur les trois quarts de mes premières vidéos, c'est vraiment dégueulasse. Et après, c'est devenu quelque chose de plus ou moins potable. Et c'est quelque chose qui m'a vachement plu. Et après, bon, bah, j'ai eu ma caméra au mois de février. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je fais de la facecam, mais ça ne fait pas si longtemps que ça fait que 7 mois. Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois que je fais de la face. Ouais, 6 mois pour l'instant. Un peu plus, ça fait presque 7 mois. Dans 2-3 semaines. Non, dans une semaine ou deux, ça fera 7 mois. Même pas. Si. Dans une semaine ou deux, ça fera 7 mois. Bah non, en fait, en gros, ça, donc là, ça fait 7 mois que je fais de la facecam et je trouve ça vraiment très bien. Moi, franchement, j'adore la facecam, mais après, c'est vrai qu'il y en a, je comprends, ils veulent peut-être garder une part d'intimité, on va dire, donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas faire de facecam. Moi, je m'en fous complètement, j'ai pas grand-chose à cacher, donc on va dire que ça reste tranquille, quoi, on va dire, parce que je me casse pas la tête. Mais je me prends pas la tête, je me casse pas, je me la prends pas. Et donc voilà, après on reste. En tout cas, je reste toujours dans des bases qui sont assez. Voilà, c'est vrai que Road Truck pour moi c'est un très bon jeu. Que non, je vais pas arrêter, mais je vais peut-être. Bah, de toute façon, après, si vraiment je trouve un jeu qui est aussi bien, peut-être comme American Truck, s'il sort un jour. S'il sort un jour, parce que c'est même pas sûr, parce qu'on nous dit pas mal de choses, il aurait dû sortir il y a plus d'un an déjà.
Donc voilà, on nous dit pas mal de choses dessus, mais il y a pas mal de choses qui sont fausses. Donc voilà. Parce que normalement, ça fait plus d'un an que la sortie est prévue, ça fait plus d'un an que machin. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même penser à nous, quoi. Les gamers, les. Ah, ouais, ok, en fait, j'étais dans la merde. J'étais pas bien du tout là. J'étais pas enlevé du tout. Donc voilà, après, c'est vrai que moi, j'ai pas pensé. Voilà. Je me prends pas la tête, il y a un jeu qui va me plaire, je vais le prendre, il y a un jeu qui va pas me plaire, je vais pas le prendre. Voilà. Donc là, on est à moins de 100 km. Bon, voilà. Et je crois qu'on est mort de fatigue. Donc voilà. On n'est pas beaucoup moins, on est à 80 km. 90. Donc voilà. J'espère franchement que cette odyssée vous a plu. Donc King Kong, excuse-moi encore, t'avais qu'à venir hier. Parce que on a dû la tourner ensemble. Même si pour toi, ce ne sera pas hier quand tu regarderas cette vidéo, ce sera il y a 2 semaines. Ou 3 semaines plutôt. Non, oui, 3 semaines. Parce que là, c'est vrai que j'ai pris 2 semaines de congé, on va dire. Ça m'a fait un peu chier de les prendre, mais bon, on va dire que c'était pas fait pour. Mais on va dire que pour moi, en gros, je vais prendre une pause. Pour l'instant sur Euro Truck, vu que j'ai 3 semaines de pause d'Euro Truck. Après, je vais faire 3 semaines. En gros, j'aurai 3 semaines après de Car Mécanique, etc. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, en gros, c'est 3 semaines avant que je vous la publie. C'est bête, mais en gros, j'ai voulu me presser un peu. Parce que déjà, avec King Kong Simulator, on les tournait deux par deux. Une fois lui, une fois moi. Et après, on s'arrêtait, on faisait autre chose. Et 4h du mat. On a tourné toute la nuit, les gars. Toute la nuit. J'aimerais bien ne pas avoir d'amende avant d'arriver à là où je dois aller, à Calais. Non, en fait, je suis con. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu tourner. Je pensais, en fait, c'est ça, mais quand on a l'habitude d'avoir toujours les mêmes trucs, tu tournes même si t'as pas tourné. Donc voilà. Combien de temps il nous reste? Voilà, on est dans l'illégalité. Ok. On est dans l'illégalité la plus complète, les gars. Mais au moins, le truc, c'est que là, on va être à l'heure. Parce que la dernière fois, au premier Odyssée du mois de décembre, l'Odyssée de Noël, on était en retard. Quand je suis arrivé à Calais, à Sheffield, on était en retard. Et là, c'est vrai que on sera pas en retard cette fois, en tout cas. Merci pour la prune. Je pense que j'en aurai bien d'autres encore. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de faire pause. C'est ça le truc qui me chiffonne un peu. Il me reste plus que 60 km. Il faut pas faire pause, quoi. Donc c'est pas grave si on se prend des prunes tout le long. Il me reste plus que 60 km. C'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, ça va faire une vidéo plus ou moins longue. Mais voilà, on va dire que j'espère que ça va vite se finir. Il nous reste 1 heure de machin. Donc on aura tourné toute la nuit. Et voilà, en gros, pour l'instant. Ça va plutôt bien. Pourquoi je fais des éjections comme ça? Donc voilà. Après, franchement, j'aimerais franchement bien faire une vidéo avec vous, mais pour l'instant, je sais pas encore trop sur quoi le faire. Parce que j'ai pas beaucoup de jeux, on va dire, où je peux jouer en multijoueur, à part Euro Truck 2 et Farming 2013. Donc voilà. Merde alors, je me prends des prunes de partout. Donc, ainsi, après, il y a aussi des jeux free-to-play, on va dire, où je peux jouer à deux, mais bon, c'est pas le top non plus. Donc, voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire la pause vite fait. Tant pis. Donc, voilà, on va pas s'embêter, on va aller jusqu'au bout. On va finir fatigué, mais finir quand même. De toute façon... Je vous dis clairement, à chaque fois quasiment que je fais une vidéo, quasiment, je ne dis pas toujours, c'est pas toujours le cas, quasiment à chaque fois que je fais une vidéo, il y a quasiment à chaque fois un moment où je vais avoir envie de dormir. Dans le jeu, hein, je parle pas en vrai. Mais dans le jeu, c'est à peu près à chaque fois comme ça. Donc voilà. Il ne reste plus que 45 km. Ah, c'est dégueulasse maintenant, c'est complètement froid. C'est complètement dégueulasse. Regarde bien les instants qui vont venir, King Kong Simulator.
Je finis la livraison. Ça te déplaît, ça je le conçois. Mais bon, moi ça me fait plaisir de le finir. Parce que le truc c'est que de toute façon ça aurait été moi qui l'aurais fini quand même, parce que si on l'aurait pas fini à deux, on l'aurait fini chacun notre tour. Donc on aurait fait 20 minutes chacun pour finir. Donc j'aurais fini quand même quoi. Donc voilà, on est à 10, à 40 minutes là. 40 minutes. Ah ouais, j'ai des problèmes moteur. En gros, j'ai des problèmes de partout et ça me gave. Il n'y a que ma tête qui va bien, pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, après, bon, bah, faut pas se leurrer. On va. Bien, moi, je vais pas m'arrêter sur Eurotruck. Je vais pas arrêter Eurotruck pour ça. Après, j'aimerais bien trouver un truc nouveau, parce que c'est vrai que l'Odyssée, ça marche plutôt bien. Ça marche pas aussi bien qu'une vidéo de farming complètement what the fuck, mais ça marche plutôt bien. Parce qu'il y a une vidéo, là, je crois que c'est l'une des premières vidéos que j'ai fait de farming en facecam, qui avait très bien marché déjà. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des... On dit que c'est vrai que j'ai eu, c'est l'une des meilleures vidéos pour moi que j'ai faites en facecam, où il y avait eu une super qualité et tout, alors que j'avais encore mon téléphone comme caméra. Je l'ai encore le téléphone d'ailleurs en question. Il faudrait que je le change parce qu'il est pourri maintenant. Ben il n'arrête pas de bugger, il est pourri comme pas possible. Mais donc voilà. Après je vous dis clairement, farming, c'est vrai que maintenant. D'ailleurs, c'était sur Farming 2015. Farming Simulator a toujours été un jeu qui a eu beaucoup de vues, pas mal de succès sur tout, en gros, partout. Il a toujours eu du succès. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un jeu qui m'a toujours bien plu et qui m'a vraiment fait plaisir à jouer à ce jeu. Je peux pas vous dire à quel point, mais bon, Farming c'est un bon jeu. Après c'est vrai qu'on s'en lasse plus vite qu'un Euro Truck par exemple, même si c'est t'as plus d'activité quand même dans Farming, mais Euro Truck t'as plus envie d'y jouer tout le temps, on va dire, couramment. Je sais pas comment vous dire ça, mais en gros pour moi un Euro Truck je voudrais y jouer plus souvent qu'un Farming. Par exemple, avec un bon volant, c'est encore mieux. Parce que le truc, c'est que un farming au volant, j'ai testé, hein. Franchement, je l'ai testé. La manette Xbox 360 est vachement mieux. Bien, pour utiliser en tout cas tout ce qui est excavateur, tout ce qui est les grues, tout ce qui est comme ça, c'est vachement mieux. Pardon. C'est vachement mieux d'utiliser ça. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est pas Farming Simulator, c'est un bon jeu, mais faut pas, tu peux pas jouer au volant avec. Bien, faut éviter quoi, c'est pas le top, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là il nous reste 10 km hein, les gars. On va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. Et j'espère qu'on va quand même gagner un peu d'argent. Au moins 30 000 quand même. Parce que je crois qu'il y avait 90 000 à la base à gagner. Il me semble, hein. Mais en garant la remorque, on devrait pouvoir gagner pas mal. Ah, mais un rond-point. Ah, j'ai un mauvais fonctionnement de moteur. Ouais, t'es fuc, 1,50. Faut que je ralentisse à fond. On y est bon, on y est bon. Ah, allez, avance. Arrête de bugger. Donc voilà, on arrive à Calais. J'y étais jamais allé encore. Mais c'est vrai qu'en gros, cette map, je vous dis clairement, j'y vais pas souvent. J'y suis allé pas mal, j'ai fait tout le tour de la Méditerranée un peu. Je suis allé à comment ça s'appelle, à Barcelone, ou tout comme ça, en partant de d'Alger ou de Tunis. Parce qu'en gros, non, on n'était même pas allé au port de Calais, on était à Lille, je crois. Il me semble, hein, avant, on est parti de Lille. Ou de je sais pas où là. Parce que c'est bizarre parce que le port de Calais, il n'y a rien. Donc on n'a pas dû passer du tout par Calais.
On a dû passer par ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va finir cette mission. Donc, revienne bien King Kong. Ça arrive, c'est la fin. C'est le moment décisif. On va savoir si on a gagné des sous ou pas. Mais bon, j'espère qu'on va en gagner un petit peu quand même. Parce que ça pourrait être un minimum intéressant de gagner des pépettes. Donc voilà. Allez, mais avancez quand même. Putain, c'était vert et vous avez même pas avancé, les gars. Bon, là, ça rame à mort. Comment je peux être... Bon, voilà, je vous dis clairement, j'ai pas un PC de compète, mais j'ai un bon PC quand même. Bon, déjà, je sais pas combien il nous reste d'heures. Fais voir. Bon, il nous reste quand même 6 heures. Hein. Je pense que si j'aurais pris une pause en plus... Ça, c'est la troisième, là, d'abord. Mais je pense que si j'aurais pris une pause en plus, j'aurais pas pris 3 amendes en plus, donc ça fait 450$ en moins. 450€, pas 450$. Mais j'aurais pris. J'aurais été en retard, donc ce qui fait que j'aurais perdu de l'argent sur mon convoi, parce qu'il me semble qu'on fait 12 heures de pause ou 10 heures de pause, je sais plus trop combien il y a de pause. Mais en gros, on fait pas mal de pauses. Donc voilà, on va aller à droite. On va se finir cette mission là. On va se la finir celle-là. On va se la fumer. Non mais. C'est vrai que j'ai souvent du mal à conduire, à garer avec les camions américains. Ça fait un bout de temps que j'ai pas garé de camion d'ailleurs. Mais bon, on va se la faire. C'est vrai que là, j'ai pas trop mal conduit. J'ai pas fait d'accident, rien. Mais bon, on va dire que ça peut toujours arriver. Donc faut pas en parler. Il faut éviter. Parce que regardez, ça va arriver très vite. Je le sens. Voilà, il y a gros comme une maison. En plus, j'ai calé comme un couillon. Allez, tu vas pas me faire ça, bordel. Attends, mais il est bon là? Pourquoi t'arrêtes pas de caler là? Arrête de caler, bordel! Excusez-moi, hein, mais ça m'énerve un peu. Ouais, mais putain, c'est un bug là. Non, j'arrive à avancer là. Attends, t'as 600 chevaux et t'arrives pas à avancer. Gars. Bon, c'est bon, là on est bon. On avance. Bon. Donc, excusez-moi un peu, là j'ai perdu vachement de temps pour pas grand chose. Mais bon, vu que j'arrive un peu en avant. Putain, mais somnolence, bordel! Putain, c'est pas comme si j'avais 4 heures de machin, attends. Putain, si tu fais un créneau comme ça. En somnolence, ça va être le gros bordel. Hein. Je ne peux pas se parler. Encore comme ça, je m'en fous un peu. Je touche pas. Bon, bah voilà, j'avais dit pas d'accident, mais j'en ai fait un. Hein. Donc voilà, ah, j'ai découvert la concession MAN. Très intéressant. Surtout que j'ai pas le truc ici, donc bon, tant pis. Donc on va aller là. Donc là, je peux enlever ça, voilà. Voilà, après c'est vrai que... Oh putain, je suis trop freiné. Con de moi. Donc excusez-moi si vraiment il y a des fois où je suis pas comme il faut. Putain, mais arrête de somnoler, pardon. Donc voilà, on va pas s'emmerder de trop. Voilà, il y a encore un truc pour dodo.
Allez, vas-y. C'était nuit, vas-y. Continue. Ouais. Pas trop comment m'y prendre. Bon, vous m'en voudrez pas. Moi, j'ai pas vraiment envie de me garer dans une autre entreprise comme ça. C'est tous les camions américains en fait. C'est le camion américain qui m'emmerde le plus. Ah merde, j'ai trop avancé en fait. Bon, voilà. Hop. Raisonnable. 50 000 balles, mon gars. Bon, on a divisé par deux. Donc, excusez-moi encore de la coupure, j'avais plus de place sur ma carte SD. Mais bon, on a réussi à finir en faisant un peu d'argent. Après, voilà, on a fait un truc plutôt pas mal, sympathique. Excusez-moi encore, King Kong, si tu. Mais je pense que tu le sauras déjà. Que j'ai fini de faire l'Odyssée. Bon, excuse-moi encore une fois. Mais j'avais pas le choix, fallait que je le fasse parce que j'avais envie de pouvoir. Mais quand même, c'est bizarre, avec 12% on a perdu 50 000 balles. Ça fait pas mal quand même. Hein. On a perdu 50 000 balles pour 12% de dégâts. Mais bon, je trouve qu'on a quand même bien avancé. Hein. Déjà, regardez la barre verte, la partie verte de la barre de niveau. Elle a bien avancé alors qu'on est au niveau 14 721. Partie complètement cheatée, hein, normal. Mais bon, on a fait une bonne petite livraison. Donc c'est la fin de cette odyssée. N'hésitez pas du tout à me dire ce que vous en pensez. Si vous voudriez en voir un autre plus tard, mois de septembre. Pardon. Septembre, octobre. Ou peut-être juillet, août, on verra. Et après, on refaire un au mois de décembre pour Noël, comme j'ai fait l'année dernière. Et peut-être avec un micro ou un nouveau PC. Je sais pas trop, on verra. Si j'ai des sous, si j'en ai pas, ça dépend de tout en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que voilà, en gros, que vous avez adoré. Parce que c'est vrai que moi, pourtant, voilà, j'ai bien aimé faire cette vidéo, cette série de vidéos, cette odyssée, la deuxième saison de l'odyssée, on va dire, parce que c'est. Voilà, on a fait quasiment la même livraison que la première fois, parce que en gros, je sais pas pourquoi, mais en gros, à la place d'aller à Sheffield tout en haut, on est allé un peu moins loin, on est allé à Calais. Donc, voilà. Mais c'est quand même je crois qu'il y a 6 épisodes, donc ça fait à peu près la même longueur. Il y a un épisode de moins que la dernière, que la dernière série. Mais la dernière fois, je crois que j'avais fait des épisodes plus longs, et puis voilà. Donc voilà. Mais il y avait 7 épisodes, et je crois que là, il y en a 6 ou 7, je sais pas trop. Donc on a fait à peu près pareil, mais on les a fait en plus court, quoi, on va dire. Il y a 20 minutes par épisode. Ça reste raisonnable, on n'était pas en retard et cette fois-ci, on a réussi à gagner de l'argent. Donc voilà. Et de l'expérience. J'aurais pu en gagner un petit peu plus si je me serais garé, mais bon, j'aimais pas cette entreprise, donc je me suis pas garé. Mais bon, je vous dis clairement, j'ai adoré faire cette vidéo en votre compagnie. Donc je vous dis à plus dans un Odyssée, dans un hebdo du routier, un hebdo du mécano sur Car Mécanique Simulator 2015. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime ou à aller voir ma page Facebook ou Twitter ou Google Plus aussi, ça va. Et à suivre ou à mettre un petit j'aime sur ma page Facebook ou Twitter. Voilà, vous savez un peu le tout. Donc, n'hésitez pas, je vous dis franchement à la prochaine. À plus, ciao!